à l'heure, on voit les feuilles qui sont un peu fanées, mais aussi à cause de l'eau. Là-bas, ça sent déjà le coco. Et ça, c'est la noix de coco mûre. Mais la noix de coco, elle est consommée verte ou mûre. Pour la noix de coco verte, elle est consommée comme une boisson rafraîchissante. Et on boit l'eau de coco et on ne boit pas du lait de coco. Allez! Thank you.
chat aux États-Unis s'appelle poisson chat. Et les autres poissons chats s'appellent poisson chien, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est pour tromper le consommateur. On arrive à quoi? Mais voilà. Pour un bouddhiste, inutile d'espérer une existence éternelle après la mort, c'est la pire des illusions. Nos agrégats se recomposent différemment pour former d'autres types de vie. Hanoï va devenir la capitale en 1010, hein, et donc à la dynastie des Li. Et une des premières choses qu'on fait, c'est de construire cet édifice qui est là pour former l'élite, l'élite des penseurs qui vont faire le gouvernement. C'est comme de la littérature. Il a une importance capitale, c'est pour ça que c'est la première chose que je veux visiter quand on est au Vietnam, pour comprendre un petit peu la gloire de cette culture vietnamienne. C'est quoi cette gloire? C'est d'avoir donné la primauté à l'intelligence et à la culture, et non pas à ce qu'on faisait partout ailleurs, c'est-à-dire c'était les militaires, en gros, ceux qui gagnaient et qui avaient leur famille et qui posaient leur famille là. Non. Le Vietnam et la Chine de cette époque-là avaient une sorte de démocratie par l'intelligence. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Des rayons de soleil. C'est une petite poisson qui se mange très bien. Oh, les salades, regarde ça.
C'est vrai. Les tarots, là, vous voyez, on a vu aussi les tarots. Tout à l'heure, là, on fait la peinture des tarots. Quelque chose chez lui, ah bon, moyennant quand même. Sa tenue traditionnelle, sa tenue officielle. Mais il va la mettre, non? Avec des marques.
tại là cất lên kính thưa tất cả quý vị, hai đô đã bắt đầu bước lên đài để bật trâu. Và bây giờ hai đô đều ra đoạn nào, bắt đầu thôi. Chúng tôi giới thiệu là đô khăn vàng ở thôn Đoài và đô khăn đông, đô khăn đỏ là này, diễn viên dân tộc phương Đông nào. Bây giờ là chúng tôi mời hội hai đô về biểu diễn. Đô dân nào cũng xem các môn phần của chơi nào. Đô lên nào, đúng rồi. Ui, bắt đầu, đô khăn đỏ. Kính thưa tất cả các quý vị khán giả, như vậy là sau 3 hiệp thi đấu với nhau thì đô vật mang trên đầu trên khăn vàng, anh đã hạ gục đô vật mang trên đầu trên khăn đỏ rồi. Một lần nữa xin chúc mừng. Quá gặp may, tới cái hồ nước này câu cá, nhiều cá thế này mà hôm nay vợ chồng nhà mình chắc chắn sẽ vớ mẻ cá lớn ở đây mình nhỉ. Les artistes, ils ont bien dessiné un tableau complet de la vie spirituelle et primitive des paysans nordistes au Vietnam. Merci beaucoup. Vous levez la main, il a aussi la porte. Xin chào. La peur de rien.
Alors, elle va ouvrir l'huître très légèrement sans abîmer les muscles qui les relient parce qu'elles sont encore vivantes. Oui. Elle va d'abord inciser la poche perlière de l'huître pour avoir un petit trou dedans. Elle mettra le greffon d'abord, juste un seul morceau, ça suffit. Et puis le noyau. Juste à côté, et il faut assurer que les deux soient très bien en contact. Oui. Et on a trois couleurs principales, les blanches, les jaunes et les noires. Oui. Et ce sont les espèces de l'huître qui décident. Vous voyez, avec la nacre jaune comme ça, elle va donner les perles jaunes et dorées. D'accord. Oui. J'en ai les noires, oui. Avec la nacre noire, elle a les perles noires et grises. Par contre, est-ce que vous voyez, grâce à une couleur en ancienne ici, là, elle va donner les perles multicouleurs magnifiques. Vous voyez, comme les vertes, aubergines, violets, etc. Oui. C'est aussi. Nous uniquement nos salés. Oui. Alors, c'est la surprise. Oui, c'est la surprise. J'espère qu'on a la chance parce que depuis, on n'a rien dedans. Ah, il y en a une. Ah oui. Ah, il y en a une. Alors, elle la lave. Elle la lave même, celle-là. Même après quarantaine, cinquantaine, elle garde toujours la beauté. Elle ne change jamais, elle ne bouge jamais la couleur au fil du temps. Les perles d'eau douce, elles perdent des clats. De A à Z, même avec les montures, les parmois ou les chaînes sur l'or ou sur l'argent, du coup on a très très bien contrôlé la qualité et avait un prix imbattable. Il n'y a pas l'odeur parce que c'est une Elle est importante sur un plan historique pour les Vietnamiens parce que c'est une des plus anciennes pagodes dont on ait la mémoire. Mais il reste des très belles statues du XVIIIe siècle, on va les voir ensemble. Elle a donc surtout une importance de mémorial comme étant vraiment ce qui marque le démarrage du bouddhisme. Ici, ce sont des déesses féminines qui vont occuper la salle dite normalement du Bouddha. Et ce sont ces statues qui datent du XVIIIe siècle et très beau visage, très belle modelée du corps, comme vous le voyez. Alors toujours, eh bien, on va être déconcerté dans des pagodes bouddhistes, de voir ce mélange entre le bouddhisme et puis la foi populaire dans les figures de génie. Et conserver tous les différents éléments d'une pagode ordinaire. On a déjà traversé deux monuments. L'un, c'est le portique d'entrée. Le deuxième, c'est le clocher, qui ici est à un étage. Et donc, successivement, on va avoir dans la longueur l'ensemble des monuments qui constituent une pagode, alors que la plupart du temps, on a perdu tel ou tel de ces monuments. Donc là, on est au XVIIe siècle. Donc on est dans la salle des fidèles. Hein, vous voyez ici, celle-ci, elle est occupée donc au centre par des offrandes, à gauche et à droite par les deux immenses gardiens, les géants bienveillants et malveillants.